أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Je t'en prie, Alexandre. Alors on en est arrivé, donc on est à la sourate Tauba au verset 55. Et la sourate Tauba, elle a un autre surnom, c'est le Bara, qui signifie l'immunité, la protection. Et on nous enseigne que la réciter et en méditer l'essence nous préserve de l'hypocrisie. Qu'Allah nous en préserve. Alors pourquoi en particulier cette sourate préserve de l'hypocrisie? Bon, le Coran dans son ensemble, c'est toujours bon de le lire et de le méditer. Mais quand au regard des versets qui ont été lus jusqu'à présent et le passage où on se trouve, le passage que nous sommes en train de lire concerne les préparatifs de la bataille de Tabouk. Et dans ce passage, Dieu met en garde les hypocrites et blâme ceux parmi les croyants qui sont restés dans les derniers rangs de la bataille. Donc il y a parmi eux des sceptiques qui sont aussi sévèrement réprimandés pour leur réticence, entre autres parce qu'ils sont attachés à leur vie d'ici-bas, ils ne veulent pas sacrifier leur richesse. Ça a déjà été dit et ce sera répété. Dieu rappelle que l'attitude du croyant sincère, c'est celui qui n'a pas peur de faire des sacrifices, y compris de sacrifier sa vie. C'est pour ça qu'au verset 25, qu'on a lu avant-hier, je pense, Dieu parlait des combattants qui tournent le dos en fuyant. Ici, c'était dans le cadre de la bataille de Hunayn. Et Dieu nous appelle à nous investir pour sa cause, qu'il s'agisse de faire des efforts, donc au sens effort au sens de jihad. Donc comme Souad Abil a déjà expliqué, il y a le grand et le petit jihad. Le petit jihad, ça concerne le champ de bataille, donc il s'agit de s'investir pour Dieu à travers être prêt à se sacrifier, y compris sacrifier sa vie, mais aussi s'investir matériellement. Mais il y a aussi le grand jihad qui nous concerne tous, qui est de travailler contre son nefs, de faire des efforts aussi pour améliorer son comportement et aussi dispenser ses biens pour la cause de Dieu. Et à ce niveau-là, donc, Dieu rappelle que parmi les incrédules, certains sont trop attachés à leur vie d'ici-bas et à la vie matérielle. Et on a parlé aussi de la question de la zakat. Donc la zakat, au sens, donc c'est cette aumône légale, mais au sens étymologique, la zakat signifie la purification. Et on le verra plus tard au verset 103, où Dieu dit de prélever une aumône sur leurs biens pour les purifier et les bénir. Donc on parle vraiment de la purification de l'âme à travers la zakat. Et là encore, c'est pour montrer que le croyant, il n'est pas attaché au bien d'ici-bas. Il n'a pas un amour du matériel. Le prophète al-Sallam nous a enseigné qu'il y a trois choses qui mènent l'homme à sa perte, à sa perdition. Il y a l'avarice, la passion et la vanité. Et donc, avoir un amour trop grand de ce bas monde, oublier que c'est l'au-delà qui nous attend et qu'on ne peut pas cumuler, thésauriser les biens, que c'est inutile, qui ne vont pas nous accompagner dans l'au-delà, c'est une erreur qu'on doit éviter de commettre. Je ne vais pas trop m'attarder, mais juste pour terminer sur la question de la zakat, Dieu en fait a rendu certains riches, d'autres pauvres. Donc c'est comme ça qu'a lieu la vie ici-bas. Et dans sa sagesse, en fait, si tous les hommes étaient riches, en fait, on n'aurait aucun intérêt à collaborer, en fait. Il n'y aurait plus d'intérêt commun. Il n'y aurait pas besoin de s'entraider, de se serrer les coudes. Tout le monde serait riche et pourrait vivre en autarcie, indépendamment. À l'opposé, si tout le monde était pauvre, mais les musulmans ici-bas, ils mèneraient une vie de servitude, une vie incommode, et c'est pas le but. On serait trop préoccupé par notre survie
que pour accomplir de grandes causes. Et donc la zakat, elle vient un peu modérer tout ça, elle vient prendre un excédent et le redistribuer en fait. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être juste rajouter une ou deux petites choses. Pour ceux qui, dont on parle ici dans le verset, qui trouvent des excuses pour ne pas aller au front, à notre jour, c'est trouver des excuses pour ne pas assumer ses responsabilités, pour rejeter ses responsabilités. Toute personne ayant une certaine connaissance islamique, si elle doit assumer ses connaissances, si on doit ne pas rejeter les responsabilités de ses connaissances, une des responsabilités aussi de la faire passer à d'autres et de la partager, cette connaissance. Même si, voilà, aujourd'hui, on ne se sent pas capable de mon côté, et je suis sûr que du côté de Swatabi, Alexandre et tout ça, on est tous d'accord à ce sujet-là. On n'est peut-être pas les meilleurs ou les mieux placés pour partager nos connaissances, mais voilà, on essaye de donner la zakat de notre connaissance en essayant de la partager avec vous tous les soirs. Et dans les cours du mardi et samedi avec Hussein Ojam et Swat Ojam. Maintenant, aujourd'hui, chacun de nous a cette responsabilité. Chacun de nous a cette responsabilité dans le sens où ne pas fuir le front aujourd'hui, c'est mettre en pratique ses connaissances religieuses pour l'exemplarité. C'est ça aujourd'hui, être sur le front. Puisqu'on essaye de coller une étiquette qui ne lui correspond pas du tout à l'islam. Aujourd'hui, être au front, c'est, on va le voir encore, je vais encore en parler dans les sourates, dans les versets qui vont suivre. Aujourd'hui, c'est vraiment vivre l'islam du mieux qu'on peut. Il est aussi question de tawakkul à un moment ou à un autre, c'est-à-dire de s'en remettre à Dieu. De se laisser à lui après avoir fait l'effort de ce qu'on pourrait faire au mieux. Il est aussi question de tawakkul ici dans la sourate Tauba. Je voulais aussi remettre réattirer l'attention sur le nom de la sourate qui est Tauba, le premier nom. Alors qu'on parle de mécréants et d'hypocrites. Avec ce nom, cette sourate nous envoie aussi comme message qu'il y a toujours un espoir, il y a toujours un retour possible à Allah. Il y a toujours un espoir de repentir et de se faire pardonner. Sauf pour ceux qui ont le cœur muselé, comme on va le voir aussi dans les versets qui vont suivre. Mais après avoir fait notre effort, le tawakkul, donc s'en remettre à Dieu, est un petit peu un devoir de chaque musulman. Voilà. On va commencer, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Que leur richesse et le nombre de leurs enfants ne t'émerveillent guère. Dieu ne leur accorde que pour les faire souffrir ici-bas et les voir rendre péniblement l'âme en négateur. Ils jurent par Dieu qu'ils sont vraiment des vôtres, alors qu'ils sont loin de l'être. En réalité, seule la peur les pousse à agir de la sorte. Et s'ils trouvaient un abri, une caverne ou un souterrain, ils s'y précipiteraient à toutes jambes pour s'y camoufler. Il en est parmi eux qui te critiquent au sujet de la répartition des aumônes. Si on leur en donne une part, ils sont satisfaits, mais ils se fâchent s'ils n'en reçoivent rien. Que n'acceptent-ils de bon cœur ce que Dieu et son prophète, alayhi salatu wassalam, leur dispensent et disent « Dieu nous suffit, Dieu saura nous accorder quelques faveurs, ainsi que son prophète, alayhi salatu wassalam. C'est en Dieu que nous mettons tous nos espoirs. » Les aumônes sont destinées aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de recueillir ces dons et de les répartir, à ceux dont les cœurs sont à gagner, au rachat des captifs, aux endettés insolvables, à ceux qui se consacrent à la cause de Dieu et aux voyageurs démunis. C'est là un arrêt de Dieu, et Dieu est omniscient et sage. Il en est parmi eux qui critiquent le prophète, alayhi salatu wassalam, en disant « Il écoute tout ce qu'on lui raconte. » Réponds-leur. Il est en effet tout oreille, mais pour votre bien. Il croit en Dieu et fait confiance aux croyants. Il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui ont la foi. Mais à ceux qui lui causent du tort est réservé un terrible châtiment. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous protège de tomber parmi ceux qui méritent ce châtiment. Amen. Dans le verset 58, on parle de ceux qui, par hypocrisie ou bien par méconnaissance, puisqu'il y en a qui viennent d'embrasser l'islam, font le djihad par intérêt, pour le butin ou pour ramasser de l'argent, pour s'enrichir. Dans ceux-là, il y a des gens qui n'ont pas encore embrassé l'islam et qui font ça purement pour le butin. Et il y en a d'autres qui viennent d'embrasser l'islam et qui sont toujours tentés par le matériel. Donc, ceux-là font partie de ceux à qui on peut, et c'est comme ça aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, ceux qui prennent le plus de butin. C'est à ceux-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse un petit peu plus de butin en sadaka. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut appliquer cette application du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut l'appliquer? Cette sadaka peut par exemple, cette aumône, comme on l'a dit ici, peut être utilisée pour réembellir, rendre à l'islam son image qu'elle mérite. Peut-être partager avec ses voisins, peut-être partager avec ses collègues, ceux qui sont toujours étudiants, partager avec ses condisciples, ceux qui ont des cours du soir, partager aussi avec ses condisciples. Donc, donner cette image de qui n'est pas une image, qui est son fond à l'islam, l'image du partage, et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses qui y ont légué toutes ses richesses. En distribuant à manger à ceux qui, musulmans ou non musulmans, ceux qui étaient dans le besoin.
Là, on parle, Ustad Chiadmi, dans le verset 60, il a traduit par aumône. L'aumône, ici pris comme il est, on parle bien sûr de la zakat en elle-même. Et on dit qui mérite la zakat. Donc là, il y a 7-8 groupes. Hein. Les pauvres qui sont incapables de se procurer ce qui leur est indispensable. Les indigènes qui ne possèdent qu'une partie de l'indispensable. Les agents chargés de la perception de l'aumône et ceux qui participent à son administration. Les ralliés, ce sont les chefs de tribu influents qui ne sont pas forcément musulmans, comme on l'a dit tout à l'heure. Les esclaves, les affranchis, pour justement les affranchir, les esclaves, pour leur rendre leur liberté aussi, ça peut être utilisé pour ça. Les débiteurs, donc ceux qui sont endettés parmi les fidèles dans les conditions licites. Les combattants pour la cause de Dieu. Quand on dit combattant, c'est pas forcément en temps de guerre. Et les voyageurs de passage, coupés de toute ressource, ceux-là aussi font partie de ceux qui peuvent recevoir cette aumône. Et ceux qui sont... Il y a un terme utilisé par les savants musulmans, les mu'allafil qulub. C'est ceux qui... c'est ceux à qui on donnait une partie du butin, aumône, pour empêcher qu'il sorte une fitna, ou bien car ils sont non musulmans, ou bien les musulmans qui combattent pour les biens, qui sont rentrés dans ce combat pour le butin, pour amasser du bien, et non pour le bien de l'islam, ou gagner l'agrément d'Allah. Au monde dans le sens de la zakat, donc je disais, ce verset a été dans la jurisprudence les limitations de ceux qui peuvent percevoir la zakat. C'est grâce à ce verset-là que les savants ont pu délimiter ceux qui peuvent percevoir cette zakat. Pour ceux qui veulent plus de détails, il y a des bouquins et des livres qui ont été écrits là-dessus encore et encore, mais j'attire juste l'attention sur le fait que cette zakat, il y a un ordre. On commence par les plus proches de la famille, les plus proches dans notre environnement, dans notre entourage, qui pourraient nous voir bien et... se sentir mal par rapport à nous, ou bien nous sentir mal par rapport à eux parce qu'on n'a pas partagé avec eux. Et puis ensuite, toutes les personnes qui sont dans le besoin dans notre alentour, musulmans ou non musulmans, et ensuite tous les musulmans du monde entier. Donc, comme c'est le mois de Ramadan, j'essaye d'un petit peu plus tirer sur le sujet, même si on a déjà discuté beaucoup avec certains frères. Il y a la zakat al-mal et la zakat al-fitr. Il y a des avis comme quoi la zakat al-fitr ne peut être donnée qu'en aliment. Il y a un avis qui dit qu'elle peut être donnée en aliment et en monnaie pour pouvoir atteindre les gens qui sont très loin. La zakat al-fitr, donc la zakat de nos biens, de l'aliment, pas de nos biens, pardon, en aliment, elle doit être donnée pour que ceux qui n'ont pas les moyens de vivre l'atmosphère de la fête, de l'Aïd, l'Aïd al-Fitr, qu'on l'appelle aussi la fête du Fitr, donc la fête du partage, pour qu'eux aussi puissent vivre cette fête. Donc les deux avis ont leur source, les deux avis ont des bases bien fondées. Maintenant, libre à chacun de voir comment ils veulent donner cette zakat. Nous, avec les frères ici, par exemple, de l'association même, je vais faire un petit peu la pub aussi, hein, de Bel Défi, on fait les deux. On est ici en train les frères et sœurs en famille, les enfants aussi apprennent. C'est ça aussi qui est bien. Quand on envoie l'argent, l'enfant ne voit pas cette mise en application. Donc l'enfant
a plus de mal à comprendre cet argent, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'on en fait. Mais quand le papa et la maman sont à la maison et qu'ils commencent à préparer des plats, mais l'enfant se dit, on lui a rien dit par exemple, on a fait l'expérience à la maison. Mais c'est trop pour nous, on va manger on va manger ça pendant une semaine. Et puis après, on lui a d'abord laissé se poser des questions. Ensuite, on lui a expliqué en disant, voilà, Zakat el-Fitr, Allah nous demande de partager nos biens avec ceux qui n'ont pas trop les moyens. Et là, il a compris la mise en application. Donc, faire les deux, c'est toujours mieux. Ça, c'est aussi pédagogique. Je ne sais pas si Alexandre, tu as un commentaire à faire là-dessus. Mais je voulais rebondir, si tu le permets. Je t'en prie. Je voudrais rebondir sur le. Donc, tu as mentionné le verset 58, hein, où on parle de ceux qui critiquent la répartition des aumônes. Mm-hmm. Et tu as bien fait de rappeler la position de l'islam et dans quel but cette aumône, donc la zakat, dont on parle, à qui elle est destinée. On sait dans la tradition, en fait, certaines personnes, parce qu'ici, le Coran fait allusion à cette situation de ces personnes qui critiquent la répartition, on sait que certaines personnes venaient se plaindre de la répartition même du prophète et le sallam. Oui. Ils faisaient vraiment preuve d'ingratitude, comme tu l'as mentionné, parce qu'ils étaient dans une recherche des biens d'ici-bas. Et on a certaines personnes qui sont citées parmi les hypocrites, et que ce soit lors de la bataille de Hunayn, dont on a parlé précédemment, où on a une personne qui vient dire au prophète al-Sallam, qui lui dit « Sois équitable ». Et le prophète al-Sallam lui répond « Mais je serais déçu et perdu si je n'avais pas été équitable ». Et l'homme s'éloigne et le prophète al-Sallam dit à ses compagnons de la postérité de cet homme, donc dans ses descendants, il n'y aura que des gens qui vont répugner à prier et à jeûner. Des gens qui vont sortir, dont la religion va sortir d'eux comme une flèche transperce le gibier. Donc c'est vraiment faire preuve d'ingratitude déjà envers le prophète al-Sallam, mais c'est surtout se trouver, comment dire, illusionné par les biens d'ici-bas. Mm. Le prophète, al-Sallam, dans un hadith, nous dit que la richesse, elle n'est pas dans l'abondance des biens, mais que la richesse, c'est plutôt la richesse de l'âme. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, qu'on trouve dans beaucoup de grands recueils, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidhi. Donc on le trouve un peu dans toutes les grandes traditions de hadith. Et j'aimerais juste pour terminer aussi parler de, puisqu'on est en plein dans la bataille de Tabuk, en fait, pendant la bataille de Tabuk, pendant les préparatifs de la bataille de Tabuk, le prophète, al-Sallam, a appelé les musulmans à contribuer financièrement, à plus que la zakat, à faire une sadaqa, une aumône, pour financer l'armée. Et on a cette leçon vraiment de la part des compagnons entre Hazrati Omar et Hazrati Abu Bakr, qu'Allah les agrée. On a en fait, on voit cette compétition dans les bonnes actions où en fait le prophète al-Sallam les interroge sur à quelle hauteur ils ont contribué, qu'est-ce qu'ils ont donné en fait pour de leur fortune. Et d'abord on a Hazrati Omar qui répond qu'il a donné la moitié de sa fortune. Le prophète al-Sallam lui dit « Tu as bien fait ». Et ben, il lui demande ce qu'il a laissé à sa famille. Il dit « J'ai laissé la moitié de ma fortune ». Et puis il interroge Abu Bakr, et Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, répond quand on lui demande ce qu'il a laissé à sa famille de sa fortune, il dit « J'ai laissé Allah et son messager ». C'est-à-dire qu'il a légué toute sa fortune. Et ici on a un exemple, on ne peut pas être plus généreux. Et d'ailleurs, Omar lui répond
par Dieu, dorénavant, je ne te devancerai plus, je ne suis incapable de te devancer. Et c'est, disons, on avait déjà parlé, hein, j'en avais parlé, Sohad Abbé aussi a mentionné, je pense qu'il a rappelé ça hier, sur le fait que quand on donne d'une main, l'autre main doit ignorer ce qu'on a donné. On ne doit pas être dans l'ostentation quand on fait un don, quand on fait une sadaka. Mais l'exception, c'est ici, parmi les compagnons, qui est de se motiver, se pousser à la bonne action. L'exemplarité. Voilà, l'exemplarité. Montrer le bon exemple. On ne le fait pas par ostentation, mais on fait pour inciter d'autres personnes à faire les mêmes bonnes actions. Et on sait aussi à travers la tradition islamique que quand on incite quelqu'un à faire une bonne action, on a nous aussi la récompense de cette bonne action sans que la personne perde sa récompense. Jazakallahu khairan. J'ai juste peut-être pas terminé sur le mu'allafa al-qulub. C'est un terme que les savants ont dû édifier, j'ai envie de dire, après ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu as cité, où un compagnon vient brutalement lui dire qu'il est pas juste et qu'il donne plus à ceux qui ne se sont battus que pour le bien. Mais en faisant cette action, lui aussi démontre qu'il en voulait un petit peu plus, que lui aussi, à un moment, il a été testé par ses biens. Donc, ces savants ont eu un peu l'obligation de sortir ce terme, mu'allafa al-qulub, qui comprend justement ces musulmans qui sont un petit peu toujours tentés par les biens ici sur terre. Ceux qui ne sont pas musulmans, qui combattent pour le butin et qui combattent aussi parce qu'ils se sentent bien sous la protection des musulmans parce qu'ils sont justes. Ils ne se battent pas seulement pour le butin, ils se battent aussi pour défendre cette communauté qui est juste envers eux, même s'ils ne sont pas musulmans. Et il y a aussi les hypocrites, même s'ils sont connus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas dévoilés tout de suite, puisqu'Allah leur laisse toujours une chance. Et le dévoile au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand ces hypocrites sont dévoilés au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dévoile à la population. Pourquoi est-ce qu'on donne un petit peu plus de butin à ces gens-là? Certains, pour ne pas qu'ils endoctrinent la population et qu'ils se taisent. D'autres, parce que leur intention était de venir se battre pour s'enrichir. Et d'autres encore pour en guise de cadeau, puisqu'ils n'ont pas encore embrassé l'islam, mais qu'ils sont venus quand même sans avoir peur défendre les valeurs de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ces trois groupes, donne un petit peu plus de butin. Et c'est ce que les alim ont appelé mu'allafa al-qulub. Voilà, je voulais juste parler de ce terme pour ne pas... C'est une culture générale, mais si vous l'entendez quelque part, que vous sachiez que le mu'allafa al-qulub, c'est ces trois groupes à qui on donne plus d'aumône et de butin de guerre pour ces différentes raisons que je viens de citer. On va continuer, Inch'Allah. Tu as des tables ? يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون بعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم Ils jurent par Dieu devant vous. Ils jurent par Dieu devant vous pour avoir votre agrément. Alors que c'est Dieu et son prophète, alayhi salatu wa salam, qu'ils auraient dû chercher à satisfaire s'ils étaient de vrais croyants. Ne savent-ils donc pas que quiconque s'oppose à Dieu et à son prophète, alayhi salatu wa salam, est voué au feu de la Géhenne pour un séjour éternel ? Et ce sera pour lui le comble de l'opprobre. Les hypocrites redoutent qu'une sourate ne vienne dévoiler ce que recèle leur cœur. Dis-leur, libre à vous de vous moquer, Dieu étalera au grand jour ce que vous redoutiez tant de divulguer. Si tu les interroges, ils te répondront certainement, nous ne faisions que badiner et plaisanter. Dis-leur, ainsi vous vous moquiez de Dieu et de ses versets, et de son prophète, alayhi salatu wassalam. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien renié la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à certains d'entre vous, les autres seront châtiés en tant que criminels. Les hypocrites, qu'ils soient hommes ou femmes, sont tous du même acabit. Ils incitent à la pratique du mal, déconseillent la pratique du bien et ferment leurs mains pour ne rien donner. Ils ont ainsi oublié Dieu et Dieu les a oubliés. En vérité, les hypocrites sont des pervers. Dieu a promis aux hypocrites, hommes et femmes, ainsi qu'aux infidèles, le feu de la Géhenne pour l'éternité. Et c'est là leur juste châtiment. C'est ainsi que, maudits de Dieu, ils auront un supplice permanent. Qu'Allah nous protège de continuer sur nos erreurs et de tomber parmi ces hypocrites. Car l'être humain, il a aussi une nature. Les erreurs, les harams qu'il n'arrive pas à délaisser, il essaye d'en trouver des excuses pour les rendre plus doux à ses yeux. Et c'est ainsi qu'il se ment à lui-même et qu'il dénie certains versets et qu'il sort de la religion sans même s'en rendre compte. Et c'est là que Allah Ta'ala lie nous son cœur pour ne plus... qu'il n'y ait plus d'ouverture en l'islam. Je voudrais revenir sur le verset numéro 64. Qu'Allah nous préserve d'être parmi ceux qui ferment les yeux aux vérités du Coran et des versets. 64 jusque ici à la fin, 65 et un peu 66 aussi, où Allah nous décrit les hypocrites aussi vers la fin, mais surtout, comment sont dévoilés ces hypocrites ? Ces hypocrites, tant qu'ils le gardent pour eux, seul Allah connaît leur cœur. Mais quand ils commencent à s'ouvrir à la population et à essayer de sortir d'autres musulmans du droit chemin, là, ils sont dévoilés, soit par ces personnes qui les ont entendus et qui ont vu leur vrai visage d'hypocrite, soit par des versets ou par l'insufflement dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah Ta'ala laisse à ces hypocrites un délai pour qu'ils se repentent. Donc, comme le nom de la sourate At-Tawbah,
c'est un appel à la, au repentir. C'est une invitation. Donc, ils ont toujours un espoir tant qu'ils n'essayent pas de sortir d'autres personnes du droit chemin. Donc, tant que dans l'islam, dans la jurisprudence, j'ai envie de dire, si le mal est fait à la population, c'est un mal généralisé, donc il est punissable. Et c'est ainsi aussi pour les hypocrites. Et il est punissable, et la punition est aussi donnée par la population. Ces hypocrites qui ne vont pas sur le champ de bataille, ils sont punis par la population, plus personne ne leur parle. Il n'y a pas de prison dans les punitions de l'islam. On ne les enferme pas. Il y a différentes punitions dont le mettre à l'écart de la population ou bien l'exil encore. L'exil aussi est une des punitions de l'islam. Mais pour dire que jusqu'à arriver à cette étape, Allah laisse à tout hypocrite la chance, un espoir de se repentir et de se racheter. Et ces versets sont là justement pour leur dire qu'Allah connaît le fond de leur cœur et qu'ils ont toujours une chance de revenir sur leurs pas. C'est là-dessus que j'ai envie d'insister parce que on parle beaucoup de cette sourate en tant que sourate décrivant l'hypocrite. Pour les musulmans, celui qui est sincère, cette sourate sert de chemin à suivre pour les mettre à jour, ces hypocrites. Ou bien, après les avoir peut-être mis à jour, essayer de les rappeler à Allah avec cet espoir qu'on doit leur insuffler tout le temps en tant que musulmans, nous aussi. Donc, l'objectif ici, c'est pas de mettre à jour tous les hypocrites, mais comme Allah le fait, leur laisser un temps, essayer de les rappeler sur le droit chemin. Si vraiment ils insistent ouvertement sur leur hypocrisie et sur leur dénigration de l'islam, là, notre rôle est de les mettre à jour, j'ai envie de dire. Mais jusque-là, comme Allah le fait, chacun d'entre nous a le rôle d'abord de l'appel au repentir, à Tawbah, comme la sourate le dit, et de leur montrer qu'il y a toujours un espoir, que Dieu est pardonneur, miséricordieux, le tout miséricordieux, et que cet espoir, il faut la saisir, cette chance, il faut la saisir. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, à part... Je pense qu'on peut continuer. Oui, on peut continuer. Tu as des tables ? كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر
ذلك هم الفوز العظيم. Il en fut de même de ceux qui vous ont précédés et qui pourtant étaient plus forts que vous, plus riches et avaient plus d'enfants. Ils ont eu leur part de jouissance en ce monde et vous jouissez aujourd'hui de la vôtre comme vos prédécesseurs ont joui de la leur. Vous discutez des mêmes questions vaines dont ils discutaient. Les œuvres de ces gens-là seront réduites à néant dans cette vie et dans l'autre. Et ce sont eux qui sont les véritables perdants. L'histoire de ceux qui vécurent avant eux ne leur est-elle pas parvenue? Celle des peuples de Noé, alayhissalam, des Had, des Tamoud, d'Ibrahim, alayhissalam, des Madian et des villes ensevelies? À tous ces peuples, Dieu a envoyé des messages, des messagers, avec des preuves à l'appui. Ce n'est donc pas Dieu qui les a lésés, mais ce sont eux qui ont été à l'origine de leur perte. Les croyants et les croyantes sont solidaires les uns des autres. Ils incitent à la pratique du bien, déconseillent la pratique du mal, accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et obéissent à Dieu et à son prophète, alayhi salat wa salam. À ceux-là, Dieu fera miséricorde, car il est omnipotent et sage. Dieu a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour l'éternité, ainsi que de magnifiques demeures situées dans les jardins d'Éden. Et leur satisfaction d'avoir été agréés par le Seigneur sera bien plus grande encore, et c'est là pour eux le suprême bonheur. Allah nous permette d'être parmi ceux qui vont accéder à ce bonheur, Inch'Allah. J'aimerais revenir juste sur le verset 67, où on attire l'attention sur les fréquentations, c'est-à-dire qu'ils soient hommes ou femmes, les hypocrites sont tous du même acabit. Ils insistent à la pratique du mal, ils déconseillent les pratiques du bien et ferment leurs mains pour ne rien donner. Donc, c'est le côté social de l'hypocrisie qui est mis en avant ici. Mais on attire aussi l'attention sur le fait que si on est dans un cercle d'hypocrites, qu'on s'en rend compte et qu'on n'en sort pas, les fréquentés vont d'une façon ou d'une autre nous souiller, leurs fréquentations vont nous souiller et vont souiller aussi notre approche de l'islam. Ce verset-là, Allahu alam bissawab, moi je le comprends comme ça, les hypocrites sont des pervers dans le sens où ils cachent leur vrai jeu, mais une fois que si vous voulez sont dans la perversité, c'est-à-dire qu'ils sont sur le mauvais chemin. On nous met en garde en disant, si vous êtes dans un groupe d'hypocrites comme ça, éloignez-vous d'eux. Donc, les fréquentations sont très importantes. Voilà, c'est juste un petit détail que je voulais mettre entre parenthèses ici en avant. Dans les versets 71 et 72, on finit toujours par décrire aux hypocrites ce que va leur faire le fait de sortir de cette hypocrisie, de ce cercle vicieux. Donc le fait de sortir de ce cercle vicieux, ils vont se retrouver parmi les croyants et les croyantes qui sont solidaires les uns les autres et ils incitent à la pratique du bien, déconseillent la pratique du mal. Donc, ces versets poussent les hypocrites qui sont mal à l'intérieur parce qu'ils ont peur qu'un jour ils soient dévoilés dans la population et qu'ils soient rejetés par la population. Imaginez-vous si vous avez toujours un mal à l'intérieur et vous avez peur que la population vous jette et que vous vous retrouviez tout seul du jour au lendemain. Et ces versets-là sont là pour leur donner un espoir en leur disant « Regardez les croyants comme ils sont bien, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur ». Sortez de cette hypocrisie, jetez cette crasse que vous avez à l'intérieur de vous, excusez-moi le terme, et rejoignez-les dans leur solidarité, dans leur bien-être. C'est une invitation, encore une fois, et c'est un espoir. Moi, je préfère, surtout à notre époque, où les gens n'ont plus de famille,
de connaissances proches, de vrais amis. Quand on regarde maintenant, surtout durant cette pandémie, tout le monde est retiré à la maison. Le nombre de psychologues qui ont eu à intervenir, le nombre de suicides, le nombre de disputes à la maison, dans la famille, montre bien que les gens ne sont pas bien et il faut de l'espoir autour de nous. Les gens ont besoin de voir de l'espoir. Et c'est peut-être ce mot espoir et taouba, le repentir, que j'ai plus envie de mettre en avant aujourd'hui pour ce verset-là. Alors, pour ceux qui sont sincères, cette sourate, non seulement va leur montrer un chemin en leur disant « Venez en aide aux hypocrites, mais si ils insistent sur leur hypocrisie, ne vous faites pas de mal, comme il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à les reconnaître, donc les reconnaître pour s'en méfier, puisque aux gens qui sont hypocrites, qui veulent vraiment du mal à l'islam, on ne peut pas confier nos secrets les plus cachés, ou bien c'est la même chose avec l'hypocrite. On ne peut pas, on peut essayer de les sortir de là, mais jusqu'à un certain moment. Et puis après, ça, si Allah a lié leur cœur, on ne peut plus rien faire pour eux. Voilà, moi, peut-être que j'ai une approche trop sentimentale, me connaissant, certains auditeurs me connaissant vont peut-être penser que j'ai une approche trop sentimentale, peut-être comme d'habitude, mais cette partie-là de cette sourate n'est pas à délaisser, surtout à notre époque où les mots sont vraiment très lourds. Allahu a'lam. Est-ce que tu as quelque chose, Alexandre, à rajouter ? Oui, un service, tu me permets. Je t'en prie. Mais j'aimerais revenir sur les versets 69 à 70. Donc, dans le verset 69, donc on parle toujours des hypocrites, hein, mais ici, Dieu nous rappelle qu'avant ça, il y a eu des peuples qui les ont précédés, qui étaient plus forts et plus riches. Ensuite, il nous dit que... ces gens-là ont joui dans ce monde, comme eux sont en train de le faire, qu'ils ont discuté des mêmes questions vaines, comme eux sont en train d'en discuter. Donc tout ça pour dire que tout ce qu'ils sont en train de faire, ça a déjà eu lieu. Et dans le verset suivant, Dieu nous cite toute une série de peuples et de prophètes. Mais il faut ici, déjà pour la première partie, donc, Quand on parle de peuples qui étaient plus forts et plus riches, quand on repense en fait au passé, par rapport au contexte de la révélation, le contexte de la révélation, certes, la Mecque est une riche cité qui profite du commerce des idoles, mais on est quand même dans la péninsule arabique, qui est une péninsule désertique. On est loin des grands empires, alors que d'autres prophètes ont vécu au temps de grands empires. On peut penser, par exemple, au peuple de Pharaon, le royaume d'Israël. Tout ça, c'était des États assez puissants où il y avait de la richesse. Et malgré ça, ça ne leur a servi à rien, aux hypocrites, parce qu'ils ont toujours été dans l'adversité, à remettre en cause les enseignements des prophètes. Et c'est pour ça que Dieu cite en exemple ici, par exemple, le peuple de Noé, de Noé, alayhi salam, on connaît, hein, l'histoire du peuple de Noé qui a péri dans le déluge. Ensuite, il cite le peuple d'Ehad, qui a été envoyé le prophète Houd, et qui, la même raison, a été balayé par un vent dévastateur, par une tempête. Ensuite, les Tsamoud, on leur a envoyé Salé, et même chose, ils ont eu un cataclysme parce qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas respecté ce qu'on leur a, leur prophète leur a recommandé. On a Ibrahim, alayhi salam, même chose, qui était en conflit avec son peuple, et Dieu a fait périr Nemrod. Et on voit à chaque fois cette histoire qui se répète avec les Madian ici, on a le prophète Suhaib, alayhi salam,
son peuple a été balayé d'un tremblement de terre. Et voilà, et on termine ici par les villes ensevelies, donc ça fait référence au peuple de Lot, alayhi salam. Et donc, il y a toutes ces personnes, en fait, qui se sont opposées aux prophètes qui leur ont été envoyés. Et Dieu termine au verset 70 en disant, mais au fond, ce n'est pas Dieu qui les a lésés, ce n'est pas Dieu qui leur a fait du mal. Ce n'est pas Dieu qui a décidé d'anéantir ce peuple juste pour le plaisir en envoyant une tempête, un déluge. C'est eux qui se sont fait du mal à eux-mêmes, en fait. Mais ce sont eux qui ont été à l'origine de leur perte. C'est ce que Dieu nous enseigne ici à travers ces versets. Qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie ou de finir parmi les mécréants. Et ces histoires-là sont très connues par les Mécois qui, à cette époque, connaissent bien ces histoires de leurs ancêtres, qui, malgré tout, tombent dans le même piège et l'histoire se répète. J'avais un ancien prof qui me disait que, pour quelqu'un d'intelligent, l'histoire est le meilleur des professeurs. Voilà, on a un petit peu dépassé le temps imparti. On a fait que 3 pages aujourd'hui. Décidément, quand Soit Arbi n'est pas là, on n'avance pas beaucoup. Veuillez nous en excuser, mais on n'a pas beaucoup parlé de cette... je me suis un petit peu attardé sur ce terme « espoir » qui, à mes yeux, est vraiment très, très important. Et c'est ce dont l'humanité peut-être a besoin aujourd'hui. C'est peut-être ce qu'il faut mettre en avant, puisque on est dénaturalisé, sorti de notre nature humaine par la mondialisation, etc. Donc, cet espoir, l'être humain en a besoin. Et ces sourates, ces versets nous rappellent qu'il y a toujours un espoir pour ceux qui sont dans le péché, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne l'opportunité, l'intelligence de capter ces invitations et de faire partie de ceux qui vont profiter de ces ouvertures qu'Allah nous offre pour entrer dans son cœur et mettre en application toutes ces attentes, Inch'Allah. Voilà, je vais clôturer la séance ici, si vous voulez bien. On n'aura lu que 3 pages, je pense, hein, mais veuillez m'en excuser, je me suis un petit peu attardé. On continuera, Inch'Allah, demain soir. Merci, Djawdet Harvey. Merci, Alexandre. Merci aux auditeurs. Et merci. Si vous avez des questions, des interpellations, quoi que ce soit, n'hésitez pas, encore une fois. Jazakallah khairan tout le monde. Sadaqallahu al-azim. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bil-sabr. Sadaqallahu al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursaleen. والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات